La France mesure classiquement son génie entre deux paramètres, Descartes et le football. L'un dit « je pense, donc je suis », et l'autre dit « je joue ce que vous pensez ». C'est très intéressant parce qu'on découvre que le football pourrait être une interprétation intellectuelle et psychique de l'état de la France. C'est une idée que j'ai découverte en 1998 à l'occasion du fameux concours pour la Coupe du Monde que les Français ont remporté. Je dois dire que j'assistais pour la première fois à un match de football et j'y assistais pour complaire à mon neveu qui a 40 ans de moins et qui s'intéressait lui réellement au foot. Mais j'ai été frappé dès le début du jeu par la présence dans le jeu lui-même d'une sorte de référence systémique qui n'excluait pas du tout la collaboration de la connaissance kabbalistique. J'en ai d'ailleurs rendu compte dans « Lire sa vie ». Et en rouvrant le livre, car il a une citation que je veux vous donner, j'ai découvert que j'ai écrit ce texte le 3 juillet 1998 ou 19, et c'est aujourd'hui le 3 juillet, anniversaire, nous sommes dans les normes classiques de la connaissance. Nous sommes en 2010, et la France est allée mesurer la réalité de son génie en Afrique du Sud, ce qui est bien loin, et nous savons ce qui est arrivé, je ne vais pas vous le raconter. Premier match contre l'Uruguay, 0-0. Deuxième match de la France contre le Mexique marque un point, et la France 0. Et troisième match, la France contre l'équipe locale, 2-1. Moi, ce qui m'a frappé, c'est la circulation du 1. J'ai vu que de 0-0 sortait une fois 1 et deux fois 1. Et c'est pendant le deuxième match contre le Mexique qu'à la mi-temps s'est produit l'incident que vous connaissez tous et dont je ne vais absolument pas vous rappeler la péripétie. Nous savons tous qu'à ce moment-là, au vestiaire, il s'est passé un incident. Normalement, le public dont je suis ne devrait rien savoir de ce qui s'est passé au vestiaire. Et là, nous ne l'avons pas su tout de suite, mais le lendemain, le journal L'Équipe donnait en grand titre l'ignominie d'une injure qui aurait été adressée évidemment au sélectionneur. Moi, j'ai été frappé que l'on publie cette injure et j'ai été très attentive à tous les petits commentaires qui ont suivi, qui ont fait apparaître que ce n'était pas exactement ce qui avait été dit au moment de l'incident entre Anelka, donc, et l'entraîneur. Anelka aurait dit, la première partie de l'injure, je vous la laisse vous la remémorer, « Toi et ton système ». Alors moi, ce qui m'a frappé et qui a retenu mon attention, c'est le mot « système ». Parce que s'il y a système, et s'il y a contestation de système de la part d'un joueur comme Anelka, pour qui j'ai la plus grande sympathie, eh bien c'est qu'un enjeu profond d'organisation fonctionnelle se trouve altéré. Ce qui a retenu mon attention, c'est le mot « système ». Et j'ai été frappé que Anelka ait justement employé ce terme, et je ne savais pas s'il l'avait réellement employé ou pas. Moi, je n'étais pas dans les vestiaires. Donc, je ne savais ni si la presse répandait un bruit réel ou répercutait un écho juste de ce qui avait été dit, ou si le dire qui avait été imprimé était le résultat d'une altération, c'est-à-dire d'un mensonge ou d'une exagération. Mais j'étais frappé par la présence de ce thème dans les commentaires, le mot « système ». Et alors je me suis dit, comment savoir si c'est vrai ou si c'est pas vrai que Anelka ait employé ce terme? Et j'ai vu un réflexe kabbalistique absolument marrant. Je me suis dit, s'il l'a dit, c'est dans son nom. Anelka se lit à rebours, à clé, na. Il a donc la clé. La clé, c'est le système. Plusieurs de mes lecteurs qui ont lu « Lire sa vie »
et qui savent que je me suis beaucoup intéressé au football en 1998, se sont dit que j'avais mon mot à dire sur celui de 2010 et m'ont demandé si je pensais à traiter ce motif, sous la forme d'un film, bien entendu. Moi, je ne peux pas renoncer à la lecture d'un phénomène du réel. Je ne suis pas une fanatique de football, je suis une fanatique de réalité. En ce sens, je suis totalement d'accord avec Paul Claudel, qui, dans une phrase que j'ai précisément mise en exergue dans mon chapitre sur le bras armé du destin au match, et cette phrase est la suivante. Je prends, je me sers de toute cette œuvre indivisible que Dieu a faite tout à la fois et à laquelle je suis étroitement amalgamé à l'intérieur de sa sainte volonté, ayant renoncé à la mienne. Eh bien, c'est une position spirituelle qui est tout à fait la mienne. Je veux bien étudier le match de football comme un phénomène du réel. Je le dédie aux lecteurs qui m'ont demandé de le faire, mais sachant que toutes les données qui le rendent intelligible n'ont pas été encore exposées, en tout cas dans ma série de films, je prévois deux sortes d'interventions. Une première intervention où je dirais que le mondial de football a été le signe d'une dérive emblématique. Et après avoir donné les explications nécessaires, je reviendrai sur le motif avec un titre infiniment plus courageux. L'absolu joue vraiment au football. Eh bien, vous aurez là un bip-bop et je suis heureuse de me réfugier derrière Vicente, le Basque, le joueur Lizarazu, qui a dit quelque part une phrase extraordinaire que je dois vous retrouver, où il dit que la perfection s'atteint toujours par la répétition. Eh bien, c'est une sentence systémique donnée par un joueur de football et que je fais bien depuis toujours, car la Kabbale s'y reconnaît, c'est le dire deux fois.